Bonjour à vous, bonjour à tous, bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle journée des championnats du monde 2022 de League of Legends. On est en plein dans les matchs retour de la phase de groupe en direct de New York City, bien sûr. Vous reconnaissez les gratte-ciel, on est tout en haut là. On est tout en haut, ça brille tout autour de nous. Je suis dans ce pré-show en compagnie de Duke et Marex pour tout vous dire sur la journée d'aujourd'hui, pour revenir également sur celle d'hier. Messieurs, comment ça va, la forme? Duke, levé aux aurores, un vrai Yes Lifer, tu es à contre-courant de la tendance chez OTP, respect. Absolument, moi je me lève à 6h50 pour la Champions Queue, mais uniquement quand je caste pas la veille quand même. Mais effectivement c'est un petit peu dur. Un petit peu compliqué quand même. Mais courageux, hein. Marex, couché plutôt dans ces horaires-là, toi ou... Ouais, ça chill, couché vers 5h, réveil 14 pour être un minimum en forme ce soir. Et tout va bien, les Fnatic sont tombés hier, mais aujourd'hui, on est derrière les G2, évidemment. Une grosse journée en après. On va essayer de croire en G2, bien sûr. En tout cas, merci d'avoir été sur mon stream ce matin, Chips. Ouais, de rien, je pense que j'étais ton premier ou ton deuxième viewer. Ouais. Ça me fait extrêmement plaisir, Duke. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes réveillé à 6h30, 7h du matin, sachez que Duke, du coup, est là en stream, en pleine Champions Queue. On va regarder ce qui s'est passé hier. Il y a eu des moments douloureux, bien sûr, en tant qu'Européen, avec les multiples défaites de Fnatic. 3 au total sur 3 games, c'était bien sûr un bilan difficile. Et ça a commencé par la pierre. Nous avons donné la première victoire de ces Worlds à l'Amérique du Nord. Ouais, c'était une game catastrophique, notamment de Razor, qui est avec une draft assez discutable aussi. Là, c'était déjà fini. Là, c'était vraiment la fuite en avant à 7k gold de retard. Mais il y a eu un gangbot assez infortunate et une contestation de Herald tout aussi discutable. Et là, cette TP de humanoïde, elle signe la game. Le Banazir, ça a fait très mal aux Fnatic, notamment dans cette game-là. Derrière, ils sont partis sur des first pick victor, enfin la game d'avant, et ça a été dur dans les parties. Et là, sur celle-là, c'était plus T1 qui était trop fort, avec un first pick Yumi qui, encore une fois, maintient son 100% de win rate aux côtés de la Sivir et de Zeus qui s'est tout simplement chauffé sur cette partie et le reste de la journée d'ailleurs. Ouais, Zeus très très fort avec Xeone top, qui n'est pas forcément un pick qu'on avait l'habitude de voir de son côté, même en Corée. Mais voilà, avec Yumi, tout est permis. EDG contre Cloud9. Leçon, bien sûr, infligée par les EDG au Cloud9, Duke. Les Américains qui se sont fait pulvériser. Les Américains qui n'étaient pas du tout au niveau, hein, de toute façon, sur cette phase de groupe. Ils ont pris une game au Fnatic, mais sur deux détails, des énormes erreurs, encore une fois, dont je parlais avant. Et du coup, Fnatic, EDG. C'était le match de la vie, peut-être, ouais, pour Fnatic. Il y avait quelque chose, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose quand même. Non, en fait, ils se sont fait démolir. Ouais, c'était le back-to-back un peu de la botlane EDG. Ils ont enchaîné les deux games, celle d'avant et celle-là. Ils ont été excellents. Meiko sur son trash a totalement fait la différence cette game. Et derrière, ils ont déroulé. Ils étaient juste plus en forme et plus préparés, les EDG, sur ces matchs retour. Et là, Marex, la game qu'on a castée, toi et moi, hein, je te laisse quand même revenir sur le fameux Emerdinger de Sven. Alors, il nous a fait rêver, hein. Honnêtement, il y a eu des trucs. On s'attendait à quelques petites dingues sur la botlane, y poser ses tourelles, mais cette game était vraiment honteuse, hein. Ça partait dans tous les sens, si vous l'avez raté, c'est... Oui. Et le Jade the Zeus, hein, qui était là, et bien sûr, le gros banger de la journée avec EDG contre T1. Et les T1, le Soraka, Kalista des Rocks de sortie, Duke, et les T1 avec le GP de Zeus, notamment. J'ai revu la game, il a bien joué. Faker, je trouve, fait une game de fou sur cette partie, à vrai dire. Presque encore plus que Zeus. Mais ouais, les T1 qui ont un peu... Enfin, ce qui était attendu, c'est-à-dire quand ils se sont mis à draft avec les yeux ouverts, et ils ont commencé à gagner des games, quoi. Parce que la semaine dernière, on avait bien run down les drafts quand même du côté de T1, ce qui avait laissé un semblant d'espoir, notamment au Fnatic, mais au bout du compte, on joue un petit peu plus sérieusement la deuxième semaine et ça déroule. Ouais, j'ai trouvé que, on verra avec les matchs retour, ça va s'affiner pour beaucoup d'équipes, mais le drafting hier de T1 était vraiment très très élevé en termes de niveau et bien au-dessus de celui des EDG, alors que les EDG draftent bien, hein, mais... Et je suis en BO5, à mon avis, c'est pas l'équipe sur laquelle tu veux tomber en quart. J'avais pas vu le Iken derrière Edward Gaming. Oui, c'est assez drôle, Iken, parce que Iken t'arrive facilement. Quoi, ça arrive très vite. On est tous d'accord. Et donc voilà, les T1 qui finissent premier de leur groupe. Deuxième, EDG. Et donc derrière, Fnatic et Cloud9 éliminés. Vous avez eu bon à vos pick-em sur ce groupe ? Non, j'avais mis EDG, T1, C9, Fnatic. Hérétique. On a mis la même chose, je crois, Chips. Ouais, il me semble. 4 sur 4
me semble. Effectivement. Et juste, je voulais, on va envoyer l'interview de Faker. Mais avant ça, je voulais rappeler que justement, les T1, dans leur histoire, ont toujours terminé seed 1 de leur groupe. Mesdames et messieurs, voilà, ça, c'est, chance, ça, c'est pour l'histoire. C'est de la chance. C'est de la chance. De la chance, effectivement, Duke. Et on va envoyer l'interview de Faker, justement, réalisée par Laure hier à New York. Et on est de retour à New York pour la fin du groupe A ici avec Faker pour la première fois sur OTP. Annyeonghaseyo. Thank you so much for joining me. You end first again, as it's tradition for T1. But talk me through your experience in the group stage this time and the improvements for the team. 이제 우선은 정말 축하드리고 인터뷰 감사드립니다. 여느 때처럼 T1이 또 한 번 그룹 1위로 이제 8강 진출하셨는데 그룹 스테이지 돌이켜 보면 어땠는지 어떤 식으로 팀적으로 발전하신 것 같나요? 그래도 조별 1등을 목표로 하고 있었는데 1등을 달성한 건 만족스럽고요. 그래도 조금 이제 팀적으로 여러 가지 실수도 있었고 개인적으로도 좀 아쉬운 부분이 있었기 때문에 그런 부분들을 좀 더 보완하면 좋을 것 같습니다. I'm happy with the fact that we were able to accomplish our goal, which was, you know, making out of the group as the first seed. Mm-hmm. But at the same time, our team as a whole and also myself made mistakes, so we would like to focus on that. All right, we'll see how the team can ramp up in the next stage at Worlds. I have a question about playstyle, and I want to talk about the mid-jungle duo between you and Owner. What do you like better, setting up and enabling Owner, or playing carry with Owner enabling you? 이제 미드 정글 시너지에 대한 질문이 있습니다. 이제 두 가지 플레이 스타일을 놓고 봤을 때 어느 점을 선호하는지 궁금한데요. 페이커 선수가 오너 선수를 위해 좀 이제 설계를 해주고 같이 이제 플레이를 만들어가는 쪽 또는 오너 선수가 페이커 선수를 위해서 설계를 해주면서 좀 서포트를 받는 쪽 어느 쪽을 더 선호하시나요? 일단 팀의 상황이나 조합에 맞춰서 주로 플레이하는 편이고 좀 더 팀의 승률이 높은 쪽으로 유동적으로 변화시키는 것 같습니다. I mean, it all comes down to the comp you're playing and also the situation of the game. So I want to go flexible with that. All right, of course. Nice to have several options for the team. I know that recently Bengi was appointed head coach. He was also part of the coaching staff. But how is it having a former teammate as your head coach? And can you talk me through the relationship you have with him? 이제 뱅기님이 이제는 이제 월즈에 진출하는 월즈에 오게 되면서 또 감독으로 포지션이 바뀌었는데 원래도 코칭 스태프에 있었지만 이제 감독으로서 활동하고 계신데 이제 예전 팀메이트가 이제 감독으로서 있는 거에 대한 경험은 또 어떤지 두 분 간의 관계는 또 어떤 식으로 형성되는지 궁금합니다. 예전에는 동료였어도 지금 감독이라면 충분히 감독님을 존중하려고 하고 있고 그리고 감독으로서 책임감도 가지고 충분히 열심히 해주고 있기 때문에 좋은 성적이 되고 있는 것 같습니다. I mean, it is true that we used to be teammates, but I still, you know, now that he's a head coach, I respect him as a head coach, and also he's doing so, working so hard, you know, and also he's doing a great job. So thanks to him, we're having great results. And he's doing an amazing job so far. When Shox interviewed you a couple days back, they talked about you being back at Madison Square Garden, the fact that the last time you were here, you won. What does this world mean to you, Faker? 이제 지난번 무대 인터뷰에서도 똑같은 이제 경기장에 돌아와서 경기를 치르는 점과 여기서 우승을 했다는 그런 사실과 함께 어떤 의미를 갖고 있는지 여쭤봤는데요. 똑같은 질문을 드리고 싶어요. 이번 월즈가 어떤 의미인가요? 저에게 있어서 굉장히 큰 도전이라고 생각하고 있고 그리고 예전에 왔던 곳에서 좀 같은 사람과 인터뷰를 하는 게 굉장히 신기한 경험이자 유니크한 경험이라고 생각하거든요. 그래서 이런 기회가 있을 때 좋은 결과를 내야 된다고 생각합니다. So this world is a big challenge for me and I was so surprised and actually amazed by the fact that I'm at the same kind of stadium and also having interview with the same person, which was a very impressive experience for me. So I hope I can do great here. Looking forward to seeing how far T1 can go. Last question for you. This is for the French broadcast. They're huge fans of you. Anything you want to say to the French fans in the audience, maybe? OTP거든요. 혹시 해주고 싶은 말씀 있으면? 네. 항상 또 프랑스에서 응원해 주시는 팬분들께 감사드립니다. Thank you for all the support coming from France. Thank you. And interview 감사합니다. Faker. Thank you. 파이팅하세요. 지선. Thank you so much. I miss you. À vous. Et voilà, merci Laure. C'était le GOAT à son micro, donc succinct, comme d'habitude, Dieu Faker. Donc, alors voilà, ça, c'est la journée des T1, ça s'est très très bien passé hier. On va revenir sur quelques facts de la journée d'hier. Tu vas cracher des faits sur T1 Alors, oui, bon, du coup, T1 a toujours été terminé premier de son groupe. Tu le sauras pour les prochains Worlds, Duke, si t'es au prono, et voilà. Enfin, tu sauras qu'il faut toujours mettre T1 premier du groupe. Ah oui, autant pour moi. Voilà, ça c'est important.
Deuxième fact, il concerne Azir. Messieurs, Azir qui a quand même fait le bonheur de beaucoup de millénaires dans la phase des matchs aller, mais il a été ban 6 fois hier. Est-ce que c'est le clap de fin pour l'empereur de Shurima? Je pense que oui, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de réponse et on voit que ce qui ressort vraiment de ces Banazir à chaque game, c'est la Akali qui peut même être blind pick. Ça a l'air d'être le nouveau pick un petit peu passe-partout, mais forcément c'est plus dur à mettre en place qu'un Azir. Azir avait l'air de ne pas avoir de faiblesse, fort à tout moment de la partie, même en early game, permet d'avoir une engage, pas vraiment de réponse en face. C'était tout simplement trop fort pour build une draft autour sans se rater finalement. Ouais, vas-y, on a l'impression. Et c'est bien sûr des bans qui ont fait très mal, notamment au Fnatic et à Humanoid. Dernier fact sur la journée d'hier. Ah non, pas de fact, excusez-moi, plus de fact, ce sera un peu plus tard. On va revenir maintenant sur les statistiques de ce groupe B, mesdames et messieurs, les matchs retour du groupe B qui ont lieu aujourd'hui. On va revenir sur les meilleurs performeurs de ce groupe avec le KDA, et bien encore des Karyadé, Hop, Deogdam et Kanavi également, qui est un peu, malgré tout, un peu le carry numéro 1 souvent du côté des JDG Duke. Ouais, Kanavi qui est très très bon. Il s'était fait, il n'avait pas passé une finale de LPL facile contre Tian. Même s'ils avaient gagné la finale, hein, mais individuellement c'était un peu dur. Mais Kanavi toujours très bon joueur, puis qui a parfois des piques un petit peu clutch. Je me demande si c'est possible qu'on voit sa Kindred. Il est très connu pour sa Kindred. Si par exemple sa Blind Trundle en phase, voilà, je mets ça un peu là-dedans. Sachant qu'on a déjà vu une Kindred dans ces Worlds avec un autre spécialiste, je pense que c'est Kepiosik. Donc pourquoi pas. Autre statistique, le DPM. Quels sont les joueurs qui font le plus de dégâts dans ce groupe? Ben voilà, hein, de nouveau on a des carry, Hop, Showmaker tout de même qui se glisse là, et Soleiner de Damwon, qui était une de leurs grandes forces, bien sûr, par le passé. Ça, on semble être un peu revenu aux fondamentaux, Marex. Ouais, la trinité d'Amon au niveau du topside qui va faire très peur aujourd'hui, hein, tout simplement. On aura l'occasion de revenir dessus sur les matchs qui arrivent aujourd'hui. Mais les résultats, je trouve, ne sont pas forcément tant représentatifs que ça des performances qu'il y a eu de chacune des équipes. Parce qu'il y a certaines games qui étaient vraiment très compliquées à emporter pour JDG, par exemple. En parlant de Soleiner du côté de Damwon, on va regarder du côté du forward pourcentage, bien sûr, la capacité à jouer devant sur sa lane. Et bien Nuguri, voilà, des stats colossales à ce niveau. Kaelin en deuxième à la botte de Damwon, qui également a participé au renouveau compétitif de l'équipe. Et Vulcan, tout de même, agressive, la botlane des EG, avec ce fameux Varus Tamkench notamment, qui leur permet souvent de jouer en avant, Duke. Je pense que c'est très très fort, Varus Tamkench. Je pense que c'est un duo qu'on va voir de plus en plus souvent. Vulcan, parfois peut-être trop en avant. Oui. On passe de Vulcan à Vulcant dans ces moments-là. Facilement. Voilà. Mais bon, en vrai, EG, par rapport aux équipes NA en première semaine, ils sont en 0-3 certes, mais c'est, je trouve qu'ils ont plus de games accrochés à mon sens. On est d'accord à ce niveau. C'est peut-être, malgré la victoire de Clan Lanière, c'est peut-être le véritable espoir nord-américain. Autre statistique dans ce groupe, on va parler de la Goldif à 15 individuels, bien sûr. Showmaker forcément qui fait pas, enfin forcément, Showmaker qui fait pas sa meilleure année sur la scène domestique, Marex, mais qu'on a vu vraiment de retour dans ces Worlds à un très très bon niveau. Oui, tout à fait. On avait vu ces stats-là notamment aussi sur Humanoid. Ça montre un petit peu qu'en mid lane, il y a une méta où si tu as des joueurs extrêmement talentueux comme Showmaker, tu peux faire la différence. C'était pas forcément le cas au cours de l'année. On en avait parlé un petit peu hier, mais dans les ligues majeures en général, c'était pas en mid lane qu'il y avait de gros écarts. Mais là, voir que dans un groupe comme ça, contre des grosses équipes, il arrive à avoir ce différentiel de gold, c'est assez impressionnant. Surtout que si tu arrives à avoir ce différentiel de gold avec certains champions, comme je sais pas, des Akali par exemple dans la méta actuelle, derrière tu peux faire un travail monstre dans la partie. On n'a pas encore eu le droit à une Akali du côté peut-être de aujourd'hui. Showmaker, mais peut-être effectivement aujourd'hui dans ces matchs retour. Qui sont les joueurs qui tuent le plus, Duke, une idée? Le leader? Hope. Tu prends pas beaucoup de risques et tu perds. C'est un trap. Ça se joue à un kill. Bon, après, c'est quand même très close. Hein, mais Kanavi, l'éliminateur numéro 1 de son équipe. Alors, on ne dit jamais ça, mais... Non, on ne le dit pas, mais pourquoi pas. Mais effectivement, Kanavi, bah, les deux, hein, les deux sont les gros carries de JDG. Après aussi, j'ai envie de dire, les games de JDG, ils les ont win, mais elles étaient aussi assez accrochées parfois. Donc forcément, les kills montent un petit peu. Et le DPM aussi, vu que plus la game avance, plus le DPM monte. Donc voilà, ça bénéficie à Hope et Kanavi qui se sont mis dans une position difficile volontairement pour briller dans tes stats, Chips. Une équipe assez brillante en teamfight, les JDG.
qui est mort le plus? Est-ce que l'Amérique du Nord va briller dans ses statistiques? On se pose la question, bien sûr. Et oui, le trio gagnant du côté de l'Amérique du Nord. Jojo Pune en leader, Vulcan en 2, Impact en 3. Ouais, peu étonnant, hein. Il y a eu que des défaites, hein, pour les G. C'est vrai qu'ils ont pas mal accroché les games, ce qui a fait qu'ils ont pu avoir le temps de mourir un peu plus aussi. Mais honnêtement, une équipe qu'il faut quand même garder à l'œil aujourd'hui, qui va devoir être respectée par les trois autres. Mais bon, logique de retrouver trois joueurs IG ici. On flame, on se fait plaisir, mais voilà, quand même, les IG qui nous ont surpris malgré tout dans ces Worlds et qui ont pulvérisé MAD. Voilà, qui ont 3-0 MAD, hein. Qu'on oublie. autre statistique, du côté des teams, le temps de jeu, alors qu'est-ce que c'est au niveau du temps de jeu? Les games de JDG, assez accrochés, beaucoup de teamfights, Damwon en 2, derrière les G2 et l'équipe qui termine le plus vite ses games, les IG. Ouais, je crois qu'ils ont vraiment très très bonne heure les games, les IG, ils finissent vraiment rapidement les games, vite, ouais. Ça snowball vite, voilà. Ça snowball assez vite dans leur game, ouais, en général, c'est vrai. Ça montre leur macro est vraiment bien huilé, bravo à eux. Goldifa 15, alors il me semble que Damwon est bien positionné, on avait vu hier les statistiques globales, hein. Damwon effectivement, qui a de très très bons early games derrière les JDG, les G2 malgré tout et les IG. Suite de ces statistiques, on va parler maintenant du dragon. Quelles sont les équipes qui prennent le plus de dragons dans ce groupe? Est-ce que les Damwon sont toujours très bien positionnés? Ben ouais, toujours. Les objectifs neutres, les Coréens, très rigoureux à ce niveau, Marex. Ouais, il y a eu beaucoup de games, il y a eu beaucoup de dragons. Et c'est vrai que c'était notamment la game JDG Damwon. Je crois que c'est peut-être monté à 7 Drake la partie. Mais ils ont toujours beaucoup joué ces objectifs. Équipe qui va faire évidemment très peur aujourd'hui, et en vrai on peut pas trop savoir ce qui va se passer, hein, par rapport aux objectifs. Les styles vont changer, les drafts vont changer, un petit peu comme on l'a vu hier au niveau des drafts avec les Azir qui a un petit peu révolutionné la journée vu qu'il était totalement absent, totalement ban. Et les héros de la faille après les dragons, bien sûr, on a des équipes qui ont des gros top laners dans ce groupe. Et du côté de Nuguri, voilà, ça, on a de la prio, ça peut jouer les Heralds à gogo. Et on est loin devant au niveau des objectifs neutres en moyenne du côté des Damwon. Mais malgré ça, on est deuxième de la poule actuellement. Messieurs, on avait envie de parler d'un champion qui est très présent dans ces Worlds. Je ne parle pas forcément de Yumi, ou pas encore, on va en parler vite fait après avec une statistique dégoûtante. Mais d'abord, on voulait parler d'un champion aux 2 mètres, Fiora. Fiora qui est un pick qui est beaucoup ban. Et on réfléchissait aux champions qui peuvent potentiellement fonctionner contre Fiora. Duke, on parle beaucoup de Kennen notamment, qui n'est pas vraiment présent pour l'instant dans ces Worlds. Il y a Jace aussi, qui on l'a vu hier avec Zeus par exemple, peut faire le boulot. Le Gnar, le Renekton, qu'est-ce qu'on en pense de ces champions face à Fiora? Je pense que le problème de Renekton, c'est que tu peux peut-être être devant en early, mais c'est ensuite pour servir à rien. Donc en ce moment, je trouve que c'est un peu compliqué pour Renekton. Éventuellement, si t'arrives à snowball autour du Herald. Gnar, j'ai un peu du mal à y croire aussi, surtout avec beaucoup de Sylas qui traînent. Kennen, pourquoi pas. Jace, il faut vraiment être très très bon. À part Zeus, en ce moment, au Nuguri, j'ai un petit peu du mal à voir qui peut faire ça. Moi, j'ai un truc à te suggérer, ce que j'ai vu ce matin. J'ai eu l'occasion de voir. Est-ce que ça peut être dans les trucs de solo queue? Vas-y, on les affiche en même temps, vas-y. J'ai vu 3 fois le match-up Wayward contre Doran sur la top lane. Ouais. 3 fois, Doran s'est fait pulvériser. Il jouait Fiora, du coup? Il y a une game. En fait, une game, il a joué contre Fiora. Ouais. Et il a joué Akali. Il a joué Fiora et il s'est fait counterpick par Akali. Ouais. Il s'est fait démonter, justement. D'accord. Et ensuite, en face, du coup, Wayward a blindpick Fiora en disant maintenant à ton tour. Et il a joué Jace. Il a pris un kill et ensuite il s'est fait démolir encore. Ok. Donc je vois que ça teste pas mal de trucs. En solo queue, on a ce genre de champion qui fonctionne. On a vu Trindar, Renekton, le Darius, le Kennen, la Irelia éventuellement. Qu'est-ce qu'on en pense de ces réponses de solo queue? Bon, on retrouve des réponses compétitives avec le Kennen notamment. Ouais. Le Darius qui a été tenté par les G2. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve que ça colle pas mal avec ce qu'on voit en compétitif. Et je pense que Renekton est l'un des meilleurs choix par défaut, parce qu'une Fiora bien jouée, c'est très fort. Là, en solo queue, par exemple, contre Tryndamere, je pense qu'une bonne Fiora va se débrouiller. Le seul problème, c'est que Kennen, c'est très difficile de pouvoir le pick dans n'importe quel scénario, surtout que parfois, les Fiora sont pick juste avant une rotation de ban, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de réponses contre, elles peuvent se protéger. Mais c'est vrai que Renekton, je pense, ça fait un bon travail contre le pick, parce qu'il se débrouille dans le match-up. Il peut facilement disengage sur un all-in de Fiora en 1v1, et en teamfight, il peut avoir son impact quand même assez longtemps dans la game, parce que là on a des games qui vont très rarement au-delà des 30 minutes, et un Renekton un petit peu devant, même à 20-25 minutes, honnêtement ça peut faire des très gros travail, même si dans ce groupe il y a eu un Renekton extrêmement suspicieux, extrêmement suspect pardon, la semaine,
la semaine passée. Mais je pense que ouais, Renekton, ça reste un peu la meilleure réponse par défaut. Et Darius Kenen, ça dépend. Bah, est-ce que ça peut rentrer dans la draft et est-ce que le joueur est capable de le jouer à un assez bon niveau contre Fiora, quoi. Bien sûr, pas toujours évident à ce niveau. Fiora, qui dans tous les cas devrait rester un des champions les plus plébiscités de ces Worlds dans les phases de pick et ban, hein, tout simplement. Je vous avais promis un petit fact dégoûtant sur Yumi. Messieurs, vous êtes prêts ou pas? On a voulu voir. Alors. Dans les parties jouées, donc dans ces Worlds, Yumi inflige 7 fois plus de dégâts qu'elle n'en reçoit. Bah, sans blague. C'est le champion qui a reçu le moins de dégâts de la compétition. C'est normal, ça. Ah, c'est normal, mais 7 fois plus qu'elle en reçoit, c'est dégoûtant. Bah, c'est dégoûtant, mais après, elle n'en reçoit pas, donc c'est le principe du champion. Ah, bien sûr, je suis d'accord, mais c'est dégoûtant, Duke. Surtout c'est dans les top damage des games. Moi, je ne vais pas te défendre Yumi, c'est un champion infâme, mais en l'occurrence, la stat est logique vu le champion, mais le champion, ça n'empêche pas que le champion devrait être supprimé. Ouais, on est tous d'accord à ce niveau. Le champion est honteux. C'était histoire de rager un peu sur Yumi, voilà, ça reste quelque chose qu'on aime bien faire sur OTP, et je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau. L'agenda de la journée, qu'est-ce qui nous attend pour cette nuit de League of Legends? On commence par un match Europe contre Amérique du Nord, G2 contre Evil Genius 6. On espère un départ différent de celui de la journée d'hier pour l'Europe face à l'Amérique du Nord, Marek. Ouais, on espère, parce que là, les G2 eSports sont un petit peu au pied du mur. Ils doivent l'emporter contre les EG, et derrière, le match vraiment clé de la journée, c'est ce Damwon contre G2. Ils doivent, ils ont perdu contre Damwon, donc aujourd'hui, ils doivent gagner pour espérer aller chercher une égalité, ce genre de choses. Moi, les JDG, je les trouve... Enfin, ils ont un 3-0, mais je les ai pas trouvés ultra forts par rapport au G2 au Damwon la semaine passée. Là, ils arrivent avec un peu plus de confort. Donc moi, je pense que le scénario du 4-2, 4-2, 4-2 est vraiment pas impossible aujourd'hui si les G2 sont en forme. Faux copium, mais il va falloir des très très grands G2 parce qu'en face, quand même, c'est très très solide du côté de JDG et de Damwon, et on aura le choc des titans entre JDG et Damwon justement à la fin de cette soirée, donc il faudra rester tard. Peut-être pour avoir le droit à cette rencontre. On n'espère pas pour l'Europe, mais peut-être une bataille pour le seed 1 comme hier, ce match final. Nous espérons. Bien entendu, et peut-être des tie-breaks à la fin de la nuit, bien sûr, si on a de la chance. Parce que s'il y a des tie-breaks, ça veut dire peut-être que les G2 ont réussi à remonter les échelons. Dans ce groupe, on va parler des forces des différentes équipes, en commençant par les numéros 1 chinois, donc les JDG vainqueurs de la LPL. Et on voulait parler de Kanavi, notamment, et de son style de jeu. Parce qu'on voit quand même énormément de présence quand on compare à EDG, leur présence sur le top 7 avec la jungle qui tourne autour des 3-4%. Là, on a un Kanavi qui est très présent, un peu moins présent auprès de sa mid lane malgré tout. Ouais, bah effectivement, il va beaucoup jouer avec 3-6-9 a priori, qui est le peut-être jungler, top laner carry. Il prend des champions assez top, 3-6-9 principalement pour l'instant. Ouais, bah, je sais pas s'il a beaucoup joué Renekton, je sais qu'il fait que jouer Renekton. Il en a fait un. Il fait que jouer Renekton notamment en Champions Queue. Mais comme justement Kanavi joue beaucoup des carry, c'est pas mal aussi. Oui. En fait, quand tu veux jouer sur un côté, c'est bien que ce soit un petit peu équilibré pour que les fights soient équilibrés. Donc si par exemple t'as un setupper mid, c'est bien d'avoir un carry jungle, pareil pour la top lane, et ça marche bien du côté JDG. Et on a vu, hein, justement un Kanavi qui offre quand même des ganks un peu partout, mais surtout sur ses side lanes et un peu moins au niveau de sa mid lane. Kanavi qu'on a retrouvé pour l'instant sur Graves et Viego, deux champions sur lesquels il a énormément performé. On peut se poser la question, est-ce que ça peut être des bons bans potentiels? Est-ce que c'est possible de ban ces champions et de les supprimer véritablement du pool pour Kanavi? En ban un, en pick un autre peut-être, est-ce que ça le mettrait en difficulté, Marek? Ouais, possible de le mettre en difficulté de ce côté-là. Il a eu beaucoup de réussite sur ses games Viego. Après, évidemment, il est excellent dessus. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'actuellement, de ce qu'on a vu hier, si t'es en red side, bah, t'es un peu obligé de ban Yumi Azir, sinon oui. Tu te tires une balle dans le pied. Du coup, à mon avis, il va falloir à peu près tout laisser open en jungle et essayer d'avoir une réponse convaincante, comme des Poppy qui peuvent super bien marcher ou récupérer et trade les deux. Graves, Viego, ça peut éventuellement le faire contre cette équipe particulièrement, parce que des Viego, on n'a pas vu beaucoup fonctionner à part dans les mains de Kanavi. Ouais, surtout dans les mains de Kanavi, on est d'accord. Steve Way également qui a été très bon à ce niveau. Alors si jamais ces deux champions n'étaient pas accessibles, tu parlais de la Kindred de Kanavi, il y a aussi sa Belvette qui est quand même assez respectée en général. Il a été invaincu dans les playoffs de la LPL notamment, et sur le Summer Split avec ce champion. Pas beaucoup d'itérations, mais c'est un pick qui est dangereux quand même. Après, moins de potentiel en teamfight tout de même, Belvette. Ah, je sais pas, hein, quand c'est devant, en fait, c'est quand c'est devant, c'est inarrêtable ce truc. Hein,
c'est mobile, c'est tanky, ça fait super mal. En plus, ça snowball très bien avec les objectifs. Mais bon, il faut réussir à rentrer dans la game. Et justement, si ça joue du setup du côté 3-6-9 et Yagao, justement pour lui permettre de briller, en fait, ça peut être monstrueux. Hein. Après, ça dépend aussi du build. Est-ce qu'on fait Blade, Sunfire? Est-ce qu'on part un peu full dégâts? À voir. Mais bon, s'il y a quelqu'un qui peut le faire marcher, c'est sûrement Kanavi. Ouais, c'est le joueur par excellence de carry jungle. Hein. Kanavi, c'est vraiment le style de JDG jusqu'à maintenant. On va parler maintenant des Damwon qui a avec le retour de Nuguri malgré tout. C'est-à-dire qu'on attendait beaucoup de son retour au Summer Split. Beaucoup ont été déçus, mais là, on a peut-être vraiment le retour du grand Nuguri, dominant en lane. Il nous a même sorti son Jace signature, Marex. Ouais, des stats assez bonnes. On voit qu'il est toujours... Les deux victoires sont un peu sur ces champions oui. Signature. Avoir un top laner qui est capable vraiment de s'adapter et jouer ces champions-là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec la Fiora qui peut rentrer dans la recette, ça peut être très bien. Après, à voir si lui, avec sa Fiora, il est capable de perf. Ça a l'air d'être vraiment très important pour les équipes d'avoir un top laner capable de jouer ce champion-là. Mais bon, il peut avoir les réponses nécessaires contre. Donc, c'est peut-être là-dessus, en vrai, que les Damwon vont se baser. Peut-être jouer avec le counter pick top, forcer les Fiora en face, prévoir une réponse. C'est des choses que tu peux faire avec un joueur de cette envergure. Et bien entendu, on ne va pas vous faire l'affront de parler du mid-jungle des Damwon, hein, qui a toujours été un peu le fer de lance, même si Showmaker n'a pas fait une année de fou, il est en train de revenir énormément également. Mais la botlane également, qui apporte satisfaction en ce moment, Duke, alors que ça a été pendant un long moment, j'ai même envie de dire pendant toute l'année, ça a été une semi-déception quand même du côté des Damwon, mais les choses changent pas mal, Deogdam et Kaelin sont bien plus dominants. Mais tant mieux, parce qu'en vrai, en début de l'année, moi je les attendais presque comme une upgrade hein, complètement. De Ghost et Beryl. Ça jouait à l'époque très agressif chez Nongshim, si je me souviens. Absolument. Bien. Moi je les avais beaucoup appréciés au Summer 2021. Et effectivement, cette année, ils nous ont un peu déçus quand on castait la LCK. Voilà, on voyait Deogdam qui ne brillait pas du tout autant que chez les Nongshim. Et là, ça commence un petit peu à cliquer. Tant mieux, mais c'est au meilleur moment pour les Damwon. Et du côté des G2 maintenant, on va pas s'arrêter sur les Evil Geniuses, même s'ils peuvent surprendre. Mais du côté des G2, alors on voulait revenir quand même sur ces early difficiles. Hein. Les phases de lane sont compliquées, comme vous le voyez, on perd un peu partout. Forcément, ça se ressent dans la Goldiff en général, un palier par palier. Alors regardez, Goldiff à 8, négatif, mais derrière ça s'accélère à 15. On accuse vraiment le coup. À 20, c'est encore plus délicat. Et bref, ces early games qui coûtent très cher en général au G2, Marek. Ouais, tout à fait. C'est vraiment l'early game qui coûte super cher ici, je trouve, parce que 1200 à 15, c'est élevé. Et derrière, en vrai, on va dire l'hémorragie est plus ou moins contenue. Ça... Parce qu'entre 15 et 25, 1400 d'écart quand t'es derrière, c'est OK, on va dire. Mais c'est vrai que ces early games coûtent très cher. Ils avaient tenté la draft Caitlyn en blue side qui n'avait pas forcément fonctionné. Contre les Damwon aujourd'hui, ils seront red side contre les Damwon, ça va leur faire du bien, ouais. mais avant ça, dans tous les cas, il y aura IG à battre. En tout cas, on espère qu'ils auront les solutions pendant que Treyton est en train de se préparer à faire quelques strikes, ouais. Et du coup, les G2, moi ce que je suis curieux de voir, c'est si par exemple la Yumi est open en blue side, est-ce qu'ils vont décider de la prendre. Ça pourrait les aider dans ces early games. Ça va être un des sujets de discussion, bien entendu. Du côté, alors bien sûr, il y a un des problèmes chez G2, on perd les phases de haine, mais pas que, on offre beaucoup de kills aussi de leur côté. Un G2 offre au moins 4 kills avant la 15e minute, notamment sur la botlane qui est en moyenne à 2,3 morts à 15 minutes. C'est beaucoup. La botlane, un Flakhead, Targamas, on est à la peine en phase de lane, et c'est un des gros problèmes du côté des G2 en stade, bien sûr. Bon, Flakhead compliqué, très peu de forward pourcentage, on est en difficulté en early game, pareil du côté de Targamas. Est-ce qu'il y a une solution du côté de cette bot lane pour avoir moins de difficultés, Duke? J'en ai pas forcément pour la bot lane. Je pense qu'il faut que G2 trouve une draft où le mid jungle peut carry, parce que le problème des G2, c'est qu'ils ont toujours été relativement fragiles en phase de lane cette année, mais en Europe il n'y a personne qui punit ça vraiment, ouais. À part les Rogues, et d'ailleurs ils sont inclinés assez lourdement face aux Rogues en finale, mais là quand t'as Damwon et JDG en face, ça pardonne pas du tout, et là du coup ils sont vraiment trop justes, je pense, les G2. Si pour moi l'espoir de carry peut venir de quelque part, c'est vraiment du côté de Caps. Et tu t'en parlais, Marex, d'ailleurs, parce que c'est vrai, Caps, on en espère beaucoup, mais dans les drafts, on a un petit blocage aussi au niveau de cette Yumi. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de Yumi? C'est un champion qui a été peu pratiqué, on a toujours perdu avec Yumi cette année du côté des G2.
on la banne en général. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de se libérer de ce poids? On a deux blue side à jouer aujourd'hui quand même pour les G2. Ouais, c'est peut-être la solution. Honnêtement, ça, Yumi, le champion, a des auras qui fait que ça modifie totalement comment se passe une botlane. Ça peut être bien pour les G2 qui ont un peu plus de mal. C'est ce qui leur a coûté très cher dans les games. Et comme l'a dit Duke, ça peut briller au niveau du mid-jungle. On sait que le Azir va sans doute être sorti dans les parties. Ça va sans doute se rabattre sur des Sylas, des Akali. C'est vraiment les champions sur lesquels Caps peut faire la différence dans un grand jour. Donc je pense qu'il y a des solutions pour les G2 en tout cas. Avec les journées qui sont passées, ils ont dû faire les ajustements. Ils ne vont pas jouer contre Niumi, je pense. Ça m'étonnerait au vu de ce que ça leur a infligé. Et on espère qu'ils mettent la main peut-être dessus pour tenter le comeback. Ils sont en 1-2, ça va être dur, mais c'est jouable. Il faut tout donner, il faut les surprises du côté des G2. Mesdames et messieurs, l'Europe contre l'Amérique du Nord, c'est juste après l'introduction sur OTP LOL. On est parti. For now, all is in line, right? We play 3 games, 2 of them back to back. And yeah, our backs are against the wall. So we're gonna have to step it up big time. GDG will remain undefeated in the group. 很爽吧，因为我之前是没有体验过这种感觉的。但是还是不能太过骄傲，因为第二轮还是要小心他们。 1년 동안 싸워온 로터리즈 월즈에서 발이 저의 한 시기라고 생각해서. Je pense que les trois joueurs ont joué ensemble. 배운 점은 좀 진짜 우승하려면 정말 죽을 듯이 노력해야 한다는 것으로 이게 저희가 우승하기 위해서 정말 다 같이 노력하고 정말 최선을 다했다면 뭐 그래도 실패는 아니라고 생각합니다. Our worlds has not been too good for EG, even for NA. I felt like the game versus Damwon and GDG was definitely winnable. The other teams will definitely be more pressured. They have so much to lose. They'll definitely have more motivation to play better. 2020년도에 한번 우승을 해봤는데 꼭 이번에도 꼭 맛보고 싶습니다. 然后我们目标就是以小组第一出现. You might have beaten us. But we are going to strive to take you down this time. And when we are putting you down, there's no getting back up. Ouverture du groupe des G2 eSports et match d'introduction, rematch oserais-je dire dans cette année 2022, G2 contre EG, Road to 0-8. 8e affrontement entre les deux équipes, c'est-à-dire que G2 a cette année plus joué contre les EG que contre toutes les équipes qui n'ont pas été en playoff de tout simplement. Absolument. Et un peu ridicule, mais pour le moment, c'est très très favorable au G2 et il faut que ça continue, ne surtout pas faire une Fnatic. Alors les conditions, oui, une Fnatic, bien entendu. Alors les Fnatic, c'était encore pire parce qu'ils étaient dans une meilleure posture que les G2, en réalité. C'est vrai. Sur leur introduction au match retour, mesdames et messieurs, la situation des G2, elle est délicate, elle ne l'est pas, bien sûr, si on enchaîne victoire après victoire. Mais malheureusement, en termes de filet de sécurité, eh bien, il est assez fragile ce filet, si je puis dire. C'est-à-dire que s'ils font une défaite, ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Exactement. Donc il faut, si possible, ne pas en faire. Et s'ils en font une, c'est toujours tout à fait possible, avec 4 victoires, de se qualifier avec un tie-break, par exemple. Mais bon, ce ne serait pas entre leurs mains, ce qui serait extrêmement, extrêmement embêtant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour passer en quart de finale, il faut battre les NA.
Absolument, et c'est le match d'introduction, vous l'aurez compris, un petit peu comme hier, avec le Fnatic C9, bien sûr une issue qui n'a pas ravi les fans européens. Loin de là. Mais on est confiant, on est full copium, on va inverser la tendance aujourd'hui. Alors après, attention, l'AEG reste l'équipe, d'après nous en tout cas, l'équipe venant d'Amérique du Nord qui performe le mieux tout de même, et on peut voir un visage léger, souriant. Au niveau du coach Dylan Falco. Ouais, Dylan Falco qui a l'air d'être préparé à draft contre CIG qui ont tendance à avoir des drafts un peu particulières qui leur sont propres. Par exemple, le Varus de Kaori qui est souvent spammé durant les play-ins, durant ces Worlds. Le 7 sur la mid-lane. Et barrez-vous là ! Barrez-vous ! Oh, t'es dingue quand même. on les prend beaucoup ce soir, hein, c'est que le début. Hein, Écoute, c'est maintenant qu'il faut exprimer son soutien. Est-ce que j'ai vu un mec avec un truc caps tout à l'heure. Donc il y a aussi des fans de G2 à travers le monde en réalité. Absolument, plus que... Il y a plus de fans G2 en NA que de fans EG, je pense. C'est... Ah non, peut-être pas, quand même, on abuse. Il faut... y a Targamas, bien sûr, et mesdames et messieurs, le crew superstar est réuni. Nous avons Marek et Seken dans nos locaux, Targamas à la télévision. Bref, on a toutes les conditions réunies pour passer une excellente soirée, une excellente nuit. On va bientôt rentrer dans la draft, mon cher Tréton. Eh, il y a une petite peluche, une espèce de écureuil à côté de Targou. Trop de choups. T'as vu? Oh, trop bien. La légende dit que ce petit écureuil s'appelle Tréton. Peut-être que c'est son porte-bonheur, on lui posera la question. Et on verra si Targamas est en forme ou non. Quand il est en forme, il y a Prélock de Ryze, il y a Prélock de Shaco pour les deux énergumènes que tu as énumérés juste avant. Absolument. Et c'est parti donc, comme on l'a dit dans le pré-show, les G2 qui vont devoir exécuter deux blue side aujourd'hui. Blue side rime avec potentiel first pick Yumi. Et justement, on se posait la question, est-ce qu'on va sacrifier un ban en blue side pour Yumi? La réponse, nous l'avons devant nos yeux. Pas plus mal, moi je préfère qu'il n'y ait pas de Yumi dans cette game, qu'il n'y ait pas de surprise d'un côté ou de l'autre. Aatrox et Joanie qui ont été retirés. Azir est le pick qui a sûrement le plus de priorité qu'il reste avec Maokai dans cette draft. Absolument, Maokai Sage hein, qui sont... Enfin Maokai Sage qui le dynamique du... Kalista, ok. Mais Kalista de Kaori? Ouais. Ah, c'est ce ban Yumi Blue Side, il... c'est un fardeau. Attends, je c'est sais vrai. Pas s'ils vont le... Est-ce que c'est juste les NA? Est-ce qu'ils vont le garder? Peut-être. Tirons pas de conclusion trop hâtive, mais si c'est ça toute la soirée, ça risque de coûter un petit peu tout de même. Surtout contre JTG, surtout là. Hein. Je suis bien d'accord avec toi. Contre les équipes asiatiques, tu peux pas te permettre d'avoir le Yumi ban en blue side. Est-ce qu'on laisse Azir open à caps ou non? Côté EG. Et oui. Et c'est un first pick instant lock, à mon avis. Pour N-check, le match-up Azir-Victor du côté de Jojo Pyun, qui a un Victor tout à fait décent. Et le voici, l'empereur de Shishrima. Alors, il y a Senna aussi qui open, ce qui est relativement rare contre les G2. Ça a été laissé ouvert quelques fois, mais du coup, avec Senna, avec Azir, c'est une draft pour G2 qui pourrait être parfaite. Hein. Ah, Kali, c'est une... Je dirais une bonne nouvelle pour le laning de Caps. Un pari pour les EG. On ne veut pas N-check, on veut dominer, notamment dans le mid-game. Ce Azir crée la discorde dans la backline. Elle est lock, c'est Akali. Franchement, moi je prends ça vraiment comme une bonne nouvelle. Hein. Ouais, tu joues Crown, tu chill. Hein. Oui, il peut jouer Crown. Je respecte quand même Jojo. Donc, de toute façon, je vais rien dire après ce qui s'est passé hier. On respecte les EG. On les prend comme une bonne équipe et c'est une bonne équipe draft Akali dans Azir. Il faut toujours faire attention aux escarmouches autour du niveau 6. C'est certain. Après, on veut un max de... Ouh, ce sera Lucian Nami. Alors, on a le mérite de savoir ce qui nous attend côté G2. On a Aphelios dispo. Il y a Aphelios Lulu s'ils veulent. Il y a Varus. Il y a une botlane à base de Senna. Il y a une botlane à base de Seraphine. Il y a Seraphine Senna, en fait. Seraphine Senna, absolument. Tout à fait dispo, tout à fait available. Les options sont nombreuses pour les samouraïs. Oh, le Draven de Flaquette. Je ne sais pas si c'est... Le Draven de Claquette, mesdames et messieurs, il est lock, Tréton, il est lock. Tu l'accueilles maintenant. Bah c'est grosse couille de jouer Draven dans Lucian, dans Akali. On va voir avec quoi on va le jouer sur le pot 7. Quel champion pour Targamas. En tout cas, on est vraiment en mode agressif. Et sur le topside, Broken Blade sera sur un tank, il sera sur le Horn. Ouais, on peut valider le Horn tout de suite. On sait que c'est une Nami en 3 pour les EG. Donc, nous avons des bans de chaque côté. Allons-y. Ban support, ce serait pas idiot pour EG. Hein. Ouais, ban Pyke par exemple, pourquoi pas. Ça peut être un très très bon ban.
Après Pyke contre Akali, c'est vraiment pas le truc, c'est qu'il a aussi besoin d'un support qui pile un minimum. Bah moi je voudrais un truc qui cesse dans la smoke en fait. Mm-hmm. Un truc qui cesse dans la smoke serait vraiment incroyable. Rael, Mumu, ce genre de bail. Oh, bah t'as cité deux très bons champions. Renata aussi aurait pu faire l'affaire. Ouais, l'ultimate de Renata peut être embêtant pour une Akali. En effet, on la retire du côté de EG, côté G2. On va probablement aller couvrir un petit peu ce blind de Horn. Est-ce que Impact joue des speed pushers? Est-ce qu'il, par exemple, son GP? Ah, voilà. Peut-être, hein, ouais. On avait envisagé ça côté G2. Tiens, question annexe. Mm-hmm. Dans la position des EG, quand les G2 ont lock Draven Horn, mm-hmm. et qu'eux avaient déjà lock Lucian, mm-hmm. est-ce qu'ils n'auraient pas pu juste lock Brom? Le Brom aurait été insane. Le Brom aurait été bien, mais... Il bloque Draven, il bloque Horn derrière. C'est vrai. Bah enfin, voilà, vrai. Je me faisais la petite remarque, mais... Non, mais en termes de champion, il apporterait beaucoup ce Brom. Le problème, c'est que Lucian, son ami, même s'il y a un Brom avec lui, le champion manque de patates. Non, mais je le conçois, je le conçois. Mais ici, Brom fait un petit peu pierre de coup. C'est clair. Ban de la Pops. Contre Akali, bien sûr, tout à fait raisonnable. Est-ce qu'on retire côté G2? Est-ce qu'on respecte la Fura? Est-ce qu'on banne la Fura d'Impact? Est-ce qu'on dit pas plutôt qu'ils ont besoin de frontline? On va plutôt banner le Mordekaiser, ce qui je pense est très intelligent. Moi je vois bien Impact. Voilà, justement je le voyais jouer Mordekaiser, premier lieu. Sinon je vois bien Shen. Il aime bien Shen dans ce genre de match hyper clutch Impact. En vrai, c'est pas idiot. C'est une petite signature. Bah, avec Akali, avec Lucien Nami, je pense que c'est pas si idiot. Mais t'es trop fort par contre. Let's go! Pour prédire le Shen, faut y aller quand même. Let's go! Je connais mon League of Legends. Passe pas toi. Il a déjà été pick dans ses mondiaux, mais en support. Ouais. Par Ming, jamais... c'est ça. Ouais, par Ming, je crois. Quasiment jamais en top lane. Je crois jamais en top lane, honnêtement. Et les G2, qu'est-ce que va jouer Targamas? Nautilus. Le truc, c'est que... Oh oui, bébé. Oh. Oh. Oui, oui, oui. Ok, ok, ok. Let's go! Le trash de Targamas qui est lock trash Draven pour la botlane de G2. Ce sera un match-up très skillé sur le bot side. Pas si facile de déborder Lucian Nami, mais néanmoins possible. Et surtout, il faut un jungler ganker. Il faut que Yonkos passe sur le bot side. Peut-être une petite va. Ok, un Lee Sin. On croit au potentiel. C'est vraiment, mais vraiment pas une draft G. Mais j'aurais plus vu une vaille, tu vois, dans cette situation. Cette année, ce n'est pas une draft. À part le Horn, tout le reste. Le Azir un petit peu. Le Azir un peu sur la fin de l'année encore. Il n'a pas beaucoup joué durant le summer en réalité. Ou c'est pas bon ça. C'est un très très bon pick pour Esper. Oh, c'est pas bon pour les G2 ça. Après, attention parce que Ekarim peut très rapidement se faire retuer par la lanterne de Thresh. En vrai, la lanterne de Targamas va être très importante s'il a un bon pick de Thresh dans cette game. Certes, mais. Ekarim Shen. Oui, mais. Très problématique. Kick, ulti d'Azir, disengage fresh. Moi je vois assez de disengage en face. Il manque un peu de CC de mon point de vue, IG. C'est pas faux. En tout cas, on a de quoi dive très 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 loin. Et je ne sais pas si le plan de jeu front to back que veulent Horn et Azir pourrait être respecté dans cette game. Ça risque d'être un petit peu un petit zoo. Bah, IG veut que ce soit le chaos. IG veut qu'il y ait des flanks de partout. Ils veulent surtout pas des fights frontaux, on va voir ce que ça va donner de leur côté. Après, G2 a vraiment sur le papier des lanes capables de l'emporter. Toutes les lanes, je pense, sont capables d'avoir le push, même le topside. Et du coup, Yonkos avec un Lee Sin Inspired, sachant qu'il va jouer sans flash sur Ekarim, peut-être que dans les premiers niveaux, on peut aller le percuter. On peut l'attaquer, ouais, écoute, cette ambition, on aura la prio, on aura la tranquillité pour aller se plonger dans la jungle adverse. Je suis d'accord avec toi, Horn devrait avoir le push versus Shen, mais ça dépend vraiment des tout premiers trades. Mm-hmm. Shen est redoutable, hein. Bien sûr, on n'a pas trop l'habitude de le voir sur fond compétitif, mais en 1v1, ça fait si mal. Et en plus de ça, le cancel auto-attaque pour proc le Brittle de Horn, c'est une mécanique très avantageuse, bien sûr, pour le petit ninja du Kinku. On va voir ce que ça va donner, surtout que Impact est un professionnel sur le champion, tu l'as bien dit, c'est un pick signature pour il lui. Il est fort dessus. Ouais. Tout comme le trash de Targamas, c'est pas vraiment signature parce qu'il ne joue pas tant que ça, mais j'ai de très bons souvenirs de lui dans les Game 5 avec la Carmine, il le sortait souvent et il faisait des grosses games. Quand il faut, il peut step up sur le pick de trash, on va voir s'il le fait ici. Allez. Maintenant et il joue Guardian. Targamas le gardien, mesdames et messieurs. Allez, G2, do or die. Enfin, do or presque die. Mais do or probablement die. Pourquoi il joue Guardian et pas Glacial? Peut-être pour que le Draven. Pour pile pour que le Draven puisse tanker les trades et répondre à lui seul.
Parce que par exemple, Meko, Keria, tout ça, ça jouait tout le temps Glacial sur Thresh. Dans ce match-up. C'est vrai. La cleanse, bien entendu, pour Kaori. Au moins, on n'a pas d'Ignite sur le duo Lucian-Nami. Ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que ça aurait été. Plutôt une bonne nouvelle, moi je prends ça comme une bonne nouvelle. Mm-hmm. C'est relativement défensif, je te rejoins totalement. Alors, du côté des G2, il n'y a pas de niveau 1 en préparation. En tout cas, l'excellente nouvelle pour les G2, comme on en parlait dans le pré-show, les G2, ils gagnent par la mid lane. Mm-hmm. Et la mid lane a le meilleur champion possible pour remporter le match. C'est bien vrai. Donc, dans ce sens-là, on a vraiment, vraiment respecté. Respecter la condition de victoire principale des G2, c'est-à-dire le Caps Factor. Maintenant, il faut qu'il ait une game malgré tout, et contre Akadishen, ça risque d'être plus facile à dire qu'à faire. Les G2 qui ont décidé de pull au niveau... Ah non, ils sont pas pull, ils ont fake pull, pardon. Oui. Ils ont stack la Axe, surtout. Ils ont stack la Axe aussi, en effet. Et avec deux Axes, Targamas peut limite lâcher, non. On va voir, peut-être qu'il attend qu'une ability soit utilisée. Genre un W de Lucian. Allez Targu, il avait presque la range, le W est parti, mais la prochaine wave arrive. Il faudra attendre une meilleure occasion, cette fenêtre s'est déjà refermée. Le problème c'est que sans Glacial, le Flash and Fly est beaucoup moins efficace évidemment. Mais Meiko commence au hook hein, il me semble. Meiko commence au hook, mais ça dépend des matchups. Vraiment ça dépend beaucoup. Même pour Meiko, Karia avait commencé au E par exemple. Ok. En Glacial. Oh, bon trade ici pour Bibi sur la transi niveau 2. Mais bon. Pas la peine de créer victoire, bien sûr. Quand même, il lui met tarif. Ça reste chaîne. Et tous les G2 vont avoir le push. Alors, est-ce qu'ils vont en faire quelque chose, les G2? Est-ce qu'on va une bait? Vu le passing de Yonkos, je dirais que non. Hein. J'ai pas l'impression non plus. Peut-être qu'on pourrait essayer de viser un double carap. Après, c'est bizarre qu'il ait pas fait les Raptors en descendant. Peut-être qu'il voulait juste éviter la potentielle ward. La ward classique. Là, Targa et Flakett, ils demandent qu'une chose, c'est de l'action dans la jungle adverse. Déjà, les récupérer. Ah, ils y vont, peut-être en counter-juggling du group. Sur double ward. Pile poil synchro sur le crash, mais le truc, c'est. Et Karim, c'est une tondeuse à gazon. Enfin, c'est n'importe quoi, il a déjà terminé. Ah, il a bien joué une Spears, il a bien rushé ses camps, il les a fait à vitesse grand V. Et Yonkos qui veut peut-être aller au moins récupérer un petit loup, mais il a encore un smite une Spears. Ouais, mais je pense que c'est pas une bonne idée parce que Karim a son Q-spell stacké. Aïe. Et du coup, le 1v1, il est pas du tout gagnable pour Lee Sin. Quel full clear, tellement rapide. C'est trop rapide, mais je pense. On n'a pas réussi à le punir, on était un chouïa en retard du côté des G2. Et on pourra pas non plus double scuttle, à moins que Broken Blade zone inspired, mais ça me paraît complexe. Ouais, le scuttle, malheureusement, il a aussi sa propre trajectoire. Et manifestement, il a voulu se jeter dans les bras d'Inspired. Et pour le moment, Cap se domine pas tant que ça en réalité, même en trade, Jopune s'en sort très bien dans sa lane. Ouais, les timings smoke qui sont plutôt bons. Prend pas de retard. En fait, il smoke au moment où Cap a pas mal de CS à récupérer. Mm-hmm. C'est comme ça que tu équilibres. Bon, de toute façon, c'est comme ça que tu joues tous les match-up, hein, mais particulièrement celui-ci. Ah, sur ce bounce, sachant que Yonkos est derrière. Les EG qui sont en difficulté en bot en termes de farming, au vu de la wave qui est en train d'arriver vers Flakett, on a une bonne wave d'avantage côté G2. Et là, c'est dur à jouer pour Lucian Nami. On sait très bien qu'il va y avoir Inspire, on sait très bien qu'il va y avoir du backup maintenant. Il faut juste provoquer la meilleure situation. Excellente ward, hein, bien sûr. Elle n'a pas été vue, hein, je crois, par les EG. Non, elle n'a pas été vue. Et là, ce que fait la botlane G2, c'est l'air de rien très important. Parce que normalement, Inspire d'ici, il veut roll full clear depuis le topside. Il veut prendre ses golems, ses raptors. Et là, Inspire, c'est une perte sèche de temps dans son clear de jungle. Et on a Yonkos qui a reset. Hein. Il n'est pas du tout en escorte. C'est du bluff, tu bluff, Martoni Targamas. Bravo. Joli bluff, mais personne ne mord. Personne ne mord, mais c'est parfait. Par contre, faut pas se faire bait. Tout à fait, il y a un petit mid qui peut être inquiétant, mais c'est bien qu'elle est niveau 5, donc a priori, pas de danger. Voilà. Oh la bulle! Oh que c'est dangereux ici, Flakett qui prend un monster focus et le first blood qui sera pour Kaori. Ils se sont fait dive! Ça c'est terrible, Targamas par contre, est-ce qu'on peut live? Il a encore un hook, Targamas, il peut essayer de se défendre. Allez, Targu! Targamas qui va donner absolument tout ce qu'il a, flash out, il met un play. Mais oui, c'est le 4 qui tankait, du coup c'est. Non! C'est catastrophique! Oui, tout simplement catastrophique pour les G2. On perd deux joueurs, on perd la wave, on perd l'XP, on perd tout. Et qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne du poulet. Mais c'est quoi ce poulet? Ouais, c'est pas terrible. Hein. Pas très bien joué de la part de Eiji. Et ils vont recommencer, les Eiji. Ils vont appliquer exactement le même plan.
pour le coup. Mais avec un ulti-chain. Avec un ulti-chain, en effet. Pour le coup, Vulcan a très bien joué. Le fait que ce soit lui qui tanque la tourelle les deux fois, le fait qu'il touche. La bulle. La bulle doit jamais toucher, je te rejoins. Mais par contre, sur ce passage de Vulcan, peut-être que Targamas et Yonkos pourraient punir ici. Attention la bulle, attention la bulle. Oh, superbe esquive de la part de Vulcan. Il y a la plaque d'os, il y a Inspired. C'est dangereux pour les G2 et peut-être que Caps. Oh, Jojo Pion ! Merci Jojo Pion ! Il a loupé, mais Targamas par contre est tombé. Caps ne pourra pas prendre le kill sur la mid lane. On est déjà loin derrière pour la bot lane de G2. Qui a pourtant Thresh Draven et qui se doit de passer devant en early game. C'est le pari de la draft. Il loupe même pas un canon. Oh, ça sent très 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 mauvais. Mais 1000 gold, 1500 gold. On a vu pire comeback. Oui. Totalement. Restons positifs. Mais c'est inquiétant de voir aussi. C'est la mid lane. Bah, de voir que Caps doit flash out et que si Jojo Pune se rate pas, il est mort. C'est vrai que Jojo Pune a complètement whiffé son R2. On voit quand même bien, il est bien sur la top lane, mais bon. Le problème en plus, c'est que tout ça, ça accélère de fou Inspired. Mais je suis bien d'accord. Après, bon, la laning phase a pas vraiment été le talon d'Achille par excellence des EG. C'est plutôt après que ça cloche. C'est vrai. C'est vrai. Non, il y a encore tout l'espoir. Vraiment. Et je pense qu'on comprend un petit peu avec cette première minute pourquoi bah, la botlane G2 a rarement joué du Draven Thresh durant cette saison. Il faut pas prendre les EG pour des nazes, mais ne pas oublier qu'ils le sont. C'est une parole du sage. Une pacte au trade, bon, on s'en fout, ça va rien faire sur des temps qui se passent un petit peu entre eux. Il veut peut-être freeze la wave impact, c'est ça qu'il a en tête vu qu'il a son jungler de son side et en vrai c'est plutôt bien joué. Carrément. Allez Popo Pion, il gère bien sa smoke et Caps. Oh, qui... Mais Caps qui bombe le torse devant la smoke, il veut pas lâcher. TQ qui connecte. Donc un deck qui pourrait se faire rattraper déjà niveau 6 pour le Hecarim. On l'attend du côté de Yonkos. Pourquoi il a pas de stuff Caps? Ah, parce qu'il a eu un mauvais bac, j'imagine. Pourquoi l'autre il a des bottes de sorcier, un cristal rubis et nous on a un Dark Seal? Très bonne question, nouveau. J'ai pas vu ce qui s'est passé en termes de bac sur la mid lane. Bah, il a bac après s'être fait quasiment 1v1. Mais du coup, il avait pas. Enfin. Il a pas plus de gold? Bah, il avait plus de gold, obligé, non? Il a TP bac, il a oublié d'acheter, tu penses? Bah, il a pas eu le temps de tout acheter, peut-être. En tout cas, c'est bizarre. Ça m'étonne aussi. Au vu que je t'ai mis la téléportation, ça m'étonne un petit peu. Bref, en tout cas, ça nous met pas dans les meilleures conditions pour qu'on teste ce héros de la fight qui ne devrait pas être contesté, du coup, je pense. Mais du coup, faut le lâcher, il faudrait push sur la bot lane du côté de plaquette, faudrait prendre une plaque. La plaque et la champion qui a un angle absolument incroyable, qui a pour accrocher la Légion des Ombres, c'est très mauvais, Targamas qui tombe. Oh là là, j'ai tout. Et la plate bot qui est tombée sans personne pour la réceptionner, Triton. Même sur la. En termes de micro, en termes de carte aussi, ça joue vraiment pas bien. C'est pas le G2 que l'on connaît, c'est pas le grand G2. Il a 2000 gold. C'est vraiment pas le grand G2 actuellement. Il a 2000 gold caps. Le fait que ce Draven n'ait pas push en botlane, n'ait pas récupéré des plaques pendant ce timing héros de la faille est une grossière erreur qu'ils ne sont pas du tout censés faire. Et c'est clair, c'est pas très rassurant. Attention, par contre, premier move offensif, le bouctin sur Kaori, il a déjà dash. Merci monsieur. Bien joué, attention parce qu'il y a encore un flash, il va devoir le consommer ici Kaori et Flaquette qui ne pourra pas aller plus loin, on fait juste forcer le flash de la DC adverse pour le flash de Broken Blade. Vulcan n'a pas paniqué, il n'a pas flash et on est obligé de téléporter pour le Horn. Un peu en urgence, on a récupéré des plates pour Impact. Fermez-la dans la salle. Ouais, des Let's Go EG en plus qui partent, on a aussi le mythique qui fait beaucoup de bien pour Kaori. Arrêtez de mettre EU versus NA en premier match, c'est pas bon pour nous. On n'est pas chaud. Ah ouais, il nous faut de quoi nous chauffer, hein, j'ai l'impression. Ah, c'est ça. Après, tu peux le voir dans l'autre sens aussi. Si tu mets Damwon dans cette game et que j'ai deux joues comme ça, je pense qu'on n'emmène pas large. Écoute, on cherche des excuses là où on peut en trouver. Ça. Et puis, il y a le scaling, il y a Azir et tout, hein, tranquille. Mais le problème, c'est que c'est pas si tranquille que ça parce qu'il y a que Azir sur le papier. Et Draven, Lee Sin derrière contre Lucian Nami et contre Hecarim, pas ouf. Non, mais objectivement, le fait de contester le Herald avec un midlaner qui a 2000 gold en poche et un AD carry qui est bot side en train de crash une wave, c'est très suspect. Pour n'importe quelle équipe, pas que pour G2. Et le fait de se faire dive en tant que Draven Thresh, ouais. 3 contre 2, est très dommage. Mais bon, le bateau prend l'eau mais n'a pas encore coulé. Exactement. Et il n'a jamais coulé cette année. Et il y a eu des games qui étaient encore moins bien engagés contre EG. C'est vrai. Il y a eu des games où on a vraiment pensé qu'on allait perdre.
Ne pas sous-estimer le tilt factor d'EG face aux G2 qui les ont martyrisés toute cette année 2022. Maintenant, ils tiennent peut-être le Saint Graal entre leurs mains. Ouais, mais on va pas se priver pour leur shipper directement. Surtout que là, ils ont un bon play Dragon into Divebot, je pense, à faire avec le Hero d'Affect qui a été récupéré. Allez, veut essayer de punir Impact, mais on monte Impact en l'air. Il a un flash, je sais pas si on peut le tuer. On va le monter en Y, il a plus de dash. Allez, soulève-le, la partition. Oh, il a mis un bon flash! Superbe flash de Impact. Qui il est vraiment bon! Et du coup, sur la botte. Oh, il a fait un salto! Il nous a fait un salto! Oui, ils sont en train de nous pêcher dessus, tous les Xtrox, ils disent quoi? Ah, ils nous pêchent dessus en micro, en macro, ils nous mettent tout là pour le moment. Et j'ai deux en difficulté. Au moins, la tourelle bot n'est pas tombée pendant ce temps-là, même si Plaquette et Targamas ont dû respecter et perdre des CS. Cap, ça crown, c'est pas mal. Mm-hmm. C'est pas l'argument. C'est le kill après quand même. Ouais, non, pitié. C'est pas un argument de taille dans le match-up contre Akali, cela dit. Hein. La photobelt existe. Malheureusement. Ils vont les tuer de taille. Ils vont 2v2. Il y a la gale forte. Il a loupé son Q, mais ça suffit quand même. Ça suffit quand même. Il touche pas ses sorts. Oula. Il est obligé de flash, Targa. Vulcan qui va s'en sortir. Téléportation de Cap dans le vent. Oh là. Par Kaori Vulcan. Gale Forced. Oh, Yankos qui est en train de collapse sur l'incollapsable. Non, pas ça aussi. Pitié. Bah, il y a Karen qui va arriver. Inspired va arriver. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Oh non. Bah, il est dead en fait. Non, il va clear la wave. Allez, back qui taunt. Un dernier Q. Et ça tombe. Légion des ombres out. Ils sortent comme des princes. 0-6, quasiment le score de cette année à l'avantage d'EG. Bon, elle va être donc cette game, elle va être dure pour les G2. Que le capitaine parle dans cette équipe qu'il parle. Caps, dis-leur que tu peux la carry cette game, je t'en supplie. Mais non, enfin... Dis des trucs rassurants. J'essaie de chercher, hein. J'essaie de faire un cast pour G2, mais là... Essaye le pep talk des Five Pillars. Oh, il a déjà son mythique aussi sur sa Nami. Oui. Ça fait très très mal. Kaori va faire une. A les moyens de faire une game en 10-0. On le connaît ce scénario. Ah oh oui, non mais. Oui. Enfin, Kaori Inspired avec Nami, avec Shen par-dessus. La Akali, elle a pas été encore vue dans les fights. Mais elle va être très très embêtante, très dure à gérer. Et le truc, c'est que Thresh Draven derrière, c'est nul. Et pareil, leur compo. Il s'est fait déstacker deux fois en plus. Là, il a combien, oui. 84 stacks. Même s'il prend un kill, c'est pas ouf. C'est vraiment pas dingue. Bon. Il faut avoir confiance en l'incapacité des NA à conclure une game proprement. Faut qu'ils run down. Voilà, il faut qu'ils run down. La petite bonne nouvelle, c'est que Dragon, ils sont pas stackés si rapidement que ça. Si vous avez le PayPal d'un des joueurs EG, n'hésitez pas. Faudrait essayer de hold un peu les Drake du côté de G2. Ouais, en volée 1 serait insane. C'est ça. Et après, prier pour juste du team fighting et outplay du team fighting, ce qui est possible. Hein. Oui. Ce qui est véritablement possible. Juste au port de baisse, bien sûr, ça fait très très mal. Il y a tout sur ce combo. Les mythiques sont présents, l'avantage XP aussi. Et Targamas n'est plus, il s'est fait foudroyer. Oh, voir ça, c'est mal. Passe la game pour le moment. Là, ils sont en train de se galvaniser, les EG. Une minute avant le dragon, ils sont en train de se saucer. Ils sont en train de récupérer toute la vision pour le dragon dans une minute. On a un petit peu de chance qu'ils jouent pas le Roda Fire respawn, honnêtement. Parce que là, ils peuvent se permettre beaucoup de choses sur la carte, mais je crois que Inspired s'y dirige justement. C'est pas ce dragon là qu'on pourra contester encore. Rapid Fire Cannon obtenu pour Kaori. Nous avons 2000 gold bien tassés d'avance entre les deux AD carry. Enfin, d'écart plutôt. Caps qui est obligé de lâcher alors qu'il n'y a personne, juste la Jojo Pune est en train de bluffer parce qu'ils ont toute la vision, les EG. Ouais, first tourelle pour Jojo Pune. Et il l'a fait sans le backup, donc en plus sur la carte, on peut continuer d'enchaîner du côté des EG, on peut directement jouer le Roda Fight si on le veut, on peut jouer la wave mid. Alors bref, ils sont en train d'outplay totalement les G2, ils ont beaucoup, beaucoup d'avance actuellement. No contesterino, por favor. Rayankos a un niveau d'avance. Mais ça ne change rien. Allez. Au niveau du Smith. Ouais, faut pas le contester. Lucian Nami est trop big. Il a deux items, Kaori.
Oh non, pas ça. Pas Jojo Pyun sur Caps. Non, pas ça. Oh, pas Jojo Pyun, pas Jojo Pyun. Y'a un ulti-gène, y'a un vieux tricheur. Tricheur. Bon, flash du côté de Caps. Pour quel mec qui va arriver un petit peu en retard, qui essaie de se retrouver maintenant sur Impact. On lui met beaucoup de dégâts, il a plus de flash, mais il a sa zone pour s'en sortir. Caps qui a fait un bon drift tout de même. Il a trop bien joué, Caps, no joke. Et donc, même en trichant, ils ne sont pas capables. Pour le coup, il y a vraiment le score de G2 et G. Y a le, ah oui, 0-16, ouais. Ouais, mauvais sens. Let's go, Caps. Ah, mais il est, même lui, il a quasiment même gold de retard. Hein. Bah ouais. Trop en retard, tout G2 est trop en retard en gold. Toutes les interactions Azir-Akali sont tronquées par la présence d'ulti-chaîne. Mm-hmm. C'est super délicat en cette situation. Super délicat. Bah là où il compte, c'est que EG run down. Y a pas de... Ou sinon des hooks de fou, mais quand t'as pas la vision, mettre des hooks de fou, ça n'existe pas. Ouais, ça va hook chaîne en légende, hein, je pense. Sinon, il faut qu'il arrive à hook, trouver Akali, tu vois. Je pense qu'Akali, c'est la meilleure cible. Même ouais. Si hook Lucien, s'il est en range de hook Lucien, ça veut dire que Lucien l'a tué. Ouais, tout à fait. Il cleanse et il termine le travail, hein, de toute façon. Oh, Yanko, c'est une bonne lecture. Qu'est-ce qu'il faut jouer autour du Azir, en fait. Le Azir est le strong side. C'est pas mal, il est tout seul. Hein. Ils osent pas parce qu'ils savent pas ce qu'il y a derrière. Il y avait juste Vulcan en l'occurrence, mais ils peuvent pas savoir que le Karim était à la base sur Staming. Ouais. Encore une fois, G2 joue totalement dans l'obscurité. Ils ne voient pas grand chose sur la carte par rapport aux EG qui ont beaucoup de ping autour de la mid lane, qui ont le contrôle de la carte tout simplement. Mais il faut respecter la règle d'or, le Azir est le strong side. On ne veut plus voir Yankos à côté de Broken Blade. Sur le bot side. Enfin, sur le side du round, quoi. Le problème c'est que du coup la mid lane elle va un petit peu se faire tamponner aussi. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Soit toile. Oh, la réception est look, malheureusement, qui ne va pas passer. Ça fait mal. Et aussi il a eu le temps de se repositionner avant qu'on n'a pas réussi à le kick instant sous la tour. Il n'y a pas eu directement hook ou un kick pour le chain CC. Il a pu. Ah, noter en mode volleyball là. Ouais, c'est dommage parce que s'ils font une belle partie de ping-pong sur Jojo Pyun, je pense qu'il y avait un kill ici, mais même ça, mécaniquement, des erreurs mécaniques. Il y a beaucoup de déchets du côté de G2. À la main qui tremble, très légèrement, mais le kick de Isin a été utilisé, donc je crois que... Bah je crois qu'il a kick dans le mauvais sens en fait. En fait c'est juste qu'il s'est repositionné trop vite, je... ouais, on a pas kick assez vite et Yankos prend la fourre, heureusement il y a cette lanterne salvatrice, mais ça va charger sur la T2. La T2 va tomber. Et botlane, une téléportation et on a un Broken Blade qui est dans la panade. Vite. Va-t-il se faire attraper? Il est assez tanky quand même, Bibi. Mais il y a encore un taunt pour Impact. Il va flash out, bien sûr. Caps qui survit encore une fois. Allez, on tient. Broken Blade qui a bien sûr flash out comme on avait pu le voir. Enfin l'anticiper plutôt. C'est de qui souffre. L'Europe qui souffre. La France qui souffre pour Targou. La Belgique aussi, tout le monde. C'est très perturbant Yankos, tu fais quoi? Très perturbant comme cette game ressemble à celle des Fnatic. Hein. Je suis un peu d'accord. Mais Yankos, tu fais quoi là? Eh bien il se repositionne aussi vite que possible. Il y a une lanterne, clique dessus, c'est excellent. C'est pas du tout excellent, il est R2. Oui, Jojo Pyun. Mais il a tellement de marge de manœuvre avec Yumi, avec le stun United derrière. La brochure du Fourtin, l'arrivée de Caps, c'est la virgule finalement qui a été assez mal tracée. La lanterne out, il y a du miracle chez les G2. Mais on est si loin de faire tomber le premier sang européen. Il n'y a pas de dégâts tout simplement. Ah, tu sais quoi, je vais le curse. Il pourrait nous perfect game. Oh non, ce serait vraiment trop relou. Ce serait trop dommage. Perfect game. Ce serait trop dommage. Oh non, bon pitié. Par contre, pourquoi Caps a pas tué Jojo Pyun? Il a un peu de choc, je crois. Mais je sais pas s'il avait son R. Ah, peut-être. C'est vrai qu'il y a eu un move juste avant. Sûr. Ça se joue à pas grand chose, Immo. Oh là, il a bientôt lié sur son ulti. Kaori qui est en 4-0, mais on est dans quel monde? Tu vas plus pouvoir ouvrir ta bouche sur le ladder, toi. Ah si, je vais toujours le déchirer sur la torse, ça n'aura aucun souci, hein, mais... Vulcan pareil, mais... Mais ouais. Je suis très très surpris. A commencer par la draft de G2 qui, bah, comme on l'a dit dès le départ, ça ne leur ressemble pas. Il y a Senna Seraphine d'open, donc. Mais... Contre le Sennami, ça... On parle de la bot G2 et du jungle G2, peut-être, bah... pour téléportation. Ils ont été repérés sur ce piège tendu sur le top side. On va se réfugier sous le disque solaire de Caps. Il faut que le Draven puisse les rejoindre et les EG grâce à ce passif. Oh, attention, Flakhead fait le tour. Heureusement qu'il y avait la tourelle. Et au passage, cette tourelle est pas si forte que ça. Je pense que EG a eu peur pour pas forcément grand chose. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'il pouvait dive. Hein. Le disque solaire est un colossal placebo.
Tout ce qu'il fait, c'est sonner comme une tourelle quand tu te fais focus. Ta-dang ! Elle est pas tanky et elle fait pas de dégâts. Ok, ça va. Il a fait dans la wave, donc c'est bien. Mais par contre, la T2 va tomber parce que la rotation côté IG, elle est bonne et j'ai deux et un peu à l'ouest en termes de macro. Et derrière, dans 30 secondes, il y a un dragon à récupérer assez gratuitement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur la carte pendant ce temps-là pour G2 ? Un nouveau 1v1 est réclamé par Jojo Pyun, Yankos, qui veille au grain. Et c'est parti, mesdames et messieurs, cette fois-ci, c'est nous qui trichons. Ok, Jojo, viens ici, s'il te plaît, donne un kill. Arrête de saouler. Okay, allez, attends le R2, attends le R2. Maintenant ! Ah ! S'il retouche un Q, il peut l'avoir. Non ! Fermez vos fenêtres ! Mais non ! Il y a un ulti qui est absent. Ok, bien joué. Superbe partition, il y a tellement de backup ! Il y a absolument tout le monde, ils ont give up l'objectif ! Faites le dragon peut-être ! Ah mais on perd le Nashor du coup, si Caps meurt ici, il a encore un flash, mais Inspired, il court très très vite. Est-ce que Caps peut venir chercher avec la lanterne ? Caps, est-ce que... Targa, la lanterne, vite, vite, la lanterne, vite. Let's go ! Mais le Nashor. Il est vivant ! Mais on perd le Nashor qui sera pour les HG qui a été entamé et qui est complètement indéfendable. Tu demandais un dragon de temporisation, tu l'as eu. On a notre dragon de temporisation. Mais contre un baron Nashor, c'est complexe. La Kaori, il va back. Il va sortir un item. Il va sortir New Stopwatch. Ouais, je le crains bien. Je peux qu'il donne tout pour essayer de nous donner une chance quand même. Il est sympathique. C'est vrai que c'est un sacré frère. Mais en vrai, il joue bien son V2, son dodge de Q derrière. Il a bien attendu Yankos. Hein. Il faut pas le cancel. Il a choqué le cancel, Broken Blade, c'est ça qu'on veut nous montrer. Bah, il a dash dans le pit, donc... Non. Non. Oh. Ouais. Ah, like, il y a aucun genre G2 joue bien dans ce jeu. C'est terrible à dire, mais... Ah, c'est peut-être Caps. Enfin, il fait ce qu'il peut, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ce cancel est... Après, bon, pour sa défense, il voit rien, mais... Oui. Mais de toute il est trop tardif, de toute façon. Oui. Au passage. Son instinct de gamer l'a induit en erreur, quoi. Après, bon, il y a un baron powerplay, mais après, objectivement, on s'attendait à ce qu'il y en ait en faveur d'IG, hein, quoi. Totalement, qu'il arrive. C'est maintenant qu'il faut tenir. C'est maintenant qu'il faut essayer de tenir un maximum. Et c'est maintenant, côté IG, qu'il faut run down. Faut qu'il y en ait un qui dive. Ou deux. Ou trois qui dive. Faudrait qu'il dive. Allez bro, comme prévu, il a EU Stopwatch, hein, donc il va pouvoir se libérer, hein, ce Kaori. Je prédis un one tap de Flakhead. Je pense que c'est Targo qui va le prendre. Hein. Targo, tu penses? Flakhead, avec le Shieldbow, je sais pas si one tap. Ah, c'est vrai qu'il y a Shieldbow, ouais. Après, il est niveau 11 contre niveau 14. Après, c'est peut-être Yankos qui va le prendre. Ouais, bien vu. Ouais, parce que, ouais. Yankos, s'il se sent tanky, il va être vite surpris, je pense. Niveau 11, ça va se sentir, hein, je pense. Tellement trop tard d'XP, c'est dingue. On est en train de se faire shitstomp. Mais pas de perfect game. Il y a eu Tourelle et Drago. C'est... Absolument. Honte à eux. Ah, en plus, ils sont en train de synchro les waves. C'est bien joué de la part d'IG. Ouais, ils paniquent pas, ça peut être leur première victoire et ils ont l'air de pas paniquer avec ce baron Nashor. Bah écoute, on va voir la qualité de leur finish. Dive. OIG, là c'est Caps qui se présente bien sûr à la défense, c'est la lane la plus solide. Mais il y en a deux autres qui sont en train de prendre l'eau. Ouais, il y a personne sur la mid lane du coup. On essaye de synchro, on attend la wave mid. Ah, on n'attend plus la wave mid. Tickling, Yankos qui prend la foudre, qui est pas loin de tomber en une seule session. Le tsunami, on se précipite un petit peu côté IG. Ouais, sa défense, ça tient pour G2, parce que ça tient sur la mid lane. Non, je veux plus, t'es en train d'essayer de passer un maximum. Targamas, un petit hook, Salvateur, pas d'hook. Ils n'arrivent pas à briser les T3, mais ils ont encore 15 secondes de Nash. Ils ont encore une wave bot. Faut que cette wave bot, faut tenir G2. C'est la dernière. Ah, si le timeout existait dans League of Legends. Dommage. Ok, c'était bon, c'est tenu. Ouais, fin de Baron Nashor. Bon. Il y a une ultime tentative pour les Jin, on a l'air de quitter les lieux. Il y a virtuellement 5 minutes de plus pour G2, parce que sans Nash, si G2 veut juste serrer le jeu, ils vont pas perdre. Good news, ça veut dire qu'on aura un peu plus d'items de Horn, on va pouvoir compenser un petit peu cet écart au gold. De toute façon, quand tu prends Giga Gold, le plus loin tu vas dans la partie, le mieux c'est. Hein. Ouais. Bon, on va le ressentir. Si on peut aller jusqu'au full item comme ça, moi ça me va très bien.
On a ralenti. La route est un peu longue. La route est très très longue. Mais... Il y a 2-3 wards dans la jungle bot side. Après, EG, pour... en termes de range, on vient de le voir, en termes de warrant achat, ils peuvent pas être vraiment efficaces. Ils sont obligés de dive deep. Et donc, ils peuvent trop. Par contre, du côté de G2, faut pas qu'il y en ait un qui s'avance trop et qui se fasse catch hors de la base. Ouais. Ça, ce serait terrible. Elle fait mal la courbe. La courbe est belle, hein. Slow and steady. C'est que la première game, il y en a deux autres après, peut-être que ça sera mieux. Bah ouais, mais si celle-ci commence... Ouais, non, mais c'est que la première game. Bah, c'est le problème. Après, ah ouais, c'est le meilleur adversaire en plus. Après, ça va, c'est tranquille. Damwon GD, tranquille. Bah de ouf, je suis bien d'accord. GD, j'ai peu de choke, hein. Ouais, carrément. Damwon, il peut se briser les phalanges, on sait jamais. Ah ouais, de ouf. Allez. Oh, non, vous le tuez pas, hein. Il vous en veut. Moi ça, je n'aime pas voir Yankos à côté de Broken Blade, en fait. Ça ne sert à rien. Ouais. Ça ne sert à rien. Je ne vois pas pourquoi il est là. Il essaie de créer du jeu. Bah ouais, mais tu n'es pas dans une position où tu peux créer quoi que ce soit, je pense. Mais ils vont pas le tuer. Parce que même s'il y a un kick, même s'il y a tout. Vous allez mourir, les gars, vous allez mourir. Ça va back up. Je le fais très vite en raid. Il y a un ulti shade. Mais pourquoi? Et j'ai deux qui fight en dehors de la base. Il y a directement une spur qui va arriver, Caps qui va tourner au flanque. On a encore une tourelle peut-être, mais alors peut-être. Ça survit, la botlane survit, tout le monde survit. C'est un miracle, Traiton, c'est un miracle, nous les avons mal jugés. Bon, Lucan est quasiment mort. A plus de nous les avons mal jugés. Targamas a dû mettre un superbe hook ici, mais malheureusement, parce qu'on n'a pas le droit au bonheur, c'est Broken Blade qui a eu le shutdown. Mais attends, mais il faut se contenter de ce qu'on vient de récupérer. C'est un 1 pour 0. Et double summoner sur Nami. Excellent travail, G2. On ne doutera plus de vous. On ne doutera plus de vous. Soulevez Impact. Je doute parce qu'il y a une Spirit qui va arriver. Ne doute pas. Allo, ok, loupé, une Spirit qui pourrait faire très très mal ici, qui temporise, il a pas l'ultimate, il peut pas vraiment go in. Ne doutez pas. Mais... NON. Ne doutez courez, pas. Courez, j'ai de courir, y'a pas de wave. Oh, y'a une TP. Oh, Popopune. C'est Popopune pour un deuxième round, superbe play. Non, mais là, je pense que ça, c'est la fin des haricots. C'est probablement la fin, mesdames et messieurs, les G2 qui tombent les uns après les autres. Qui va bien pouvoir wave clear, Lee Sin ou Horn? Dans 25 secondes, il y a Azir, mais qu'est-ce que c'est long, c'est une éternité. 11-1 pour les EG. Allez, Yankos, Bibi. Ils poulent les waves. Ils se battent comme des bobos. 8 secondes, 5 secondes pour Caps. Ils vont pas finir maintenant, ils vont pas finir. Je sais pas ce qu'ils font dans la base d'ailleurs, à se balader comme ça les teams, ils vont pas finir, ils prennent 3 T3, un inhibiteur top lane. Ils prennent pas l'inhibiteur mid. Ils sont un peu shaky pour finir la game quand même. Il a pas de lash, top. Non, il ne peut pas. Mais mécaniquement, il y a trop de trucs. Il était slow, il était Kratos, il n'y avait pas de flash. Non, pas dragon, si on sort de la base, on perd la game. Ouais, mais là, il reset tout, c'est tout. Non, on va solo le dragon. Et sur une ward après. Ah, il veut. Lâcheur, oula. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Spire n'est pas dans sa meilleure forme. S'il vous plaît, venez-vous. Non. Il a give up l'objectif. Gagne du temps. Je suis ravi que les G2 aient finalement supprimé Jojo Pion, hein. Après, objectivement, je vois pas trop comment cet Akali meurt dans cette situation. Parce que s'il décide de R2, en fait, il s'en va juste, mais... Je sais pas comment l'interaction de Bakken était possible aussi pour les G2. Mais génial, franchement génial. Vraiment génial, par contre. Kaoris qui a pris ses responsabilités, il a déchiré Caps, hein, en deux temps. Derrière, Rohan jump-in avec le flash qui est consommé. Par contre, ça veut dire qu'il a pas de flash, mais il y a une stopwatch en plus. Chapeau. Lâche aussi du côté de Flakhead obligatoire sur ce taunt. Et une Spirit qui se rend compte que la tourelle ne sert à rien. Oui, tout à fait. Elle arrose, mais ça ne pique pas grand chose. Donc il est encore aussi pour disengage. Il n'y avait pas ulti pour jouer plus, donc on était safe pour les deux tanks G2. Ils ont récupéré le dragon. Ils sont à soul point. Qu'est-ce qu'on a comme bonne nouvelle du côté des G2? Nous avons Void. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Faudrait un petit tueux, petit possible, petit tueux là, petit tueux sur Flakhead. Joue calme. Ah non, je prends 3 levels. Je pense que la BF, c'est pas pour tout de suite, Pétron. Oh non. Que fait le forgeron au niveau 15? Non, il a déjà tout fait. Sachant que les T3 sont tombés. Pour le coup, si Iggy arrive à perdre cette game, c'est une performance historique.
parce qu'ils ont, c'est eux qui ont le scaling. Ils ont tout. C'est vraiment impossible que les EG perdent cette game. Enfin, je veux dire, c'est. Bah, en vrai. À un moment donné, pour être honnête avec notre audience, cette game est finito. Si je suis honnête. On n'a jamais vu une équipe perdre une game avec une telle avance. Avec autant d'avance. C'est jamais arrivé. Si on remplace les joueurs EG par 5 joueurs random du chat, avec l'avance qu'ils ont, ils gagnent contre G2. Je suis bien d'accord. On en est là. C'est-à-dire que c'est à ce point-là imperdable. C'est-à-dire que vous-même, vous gagnerez cette game chat. Exactement. Si vous avez cette avance-là, hein, pas depuis. Ouais, de base, non. De base. Peut-être sans zéro. C'est vraiment impossible. Ils ont juste, à Ghost A5, à un endroit, ils ont gagné, EG. Vont-ils être assez intelligents pour faire cette stratégie? Aïe, 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 il fait mal. Aïe, aïe, ça pique. Oh, il a arrêté. Hein? Pourquoi il a arrêté? Il a éternué. C'est le Saked? Qu'est-ce qu'il y a eu le Saked? C'est le seul truc que je vois qui. Oh, j'ai pas fait attention, effectivement. Probablement. Bah, il a sauvé, du coup. Bah, totalement. Bravo, Claquette. Il a pas lieu. Allez, les soldats, ça commence à faire un petit peu de dégâts. Jojofune qui est coincé dans sa smoke. Caps qui va tenter la raclette. La raclette, ah. Très bonne stopwatch. Il faut essayer de tuer directement après Jojofune pour avancer en position. Non, mais le kick en marche. Jojofune, mais Caps. Et il y a maintenant Kaori qui va cleanse tranquillement le hook. Et les EG s'avancent à 5 comme prévu. Et sont en train d'oblitérer les G2. Et pour la deuxième fois, pour la deuxième journée d'affilée, les NA vont battre les EU en match d'introduction. Première victoire de EG contre G2 de l'année. 7-1 donc en faveur de G2. La game la plus importante a peut-être été perdue. Brésil, mesdames et messieurs, pour le G2 EG de 2022. Et la situation des samouraïs se complique. Il faut deux wins. Au sein de ce groupe, on a une obligation de victoire contre deux équipes plutôt chaudes, qui sont JDG et Damwon. Faut encore y avoir 2-4, 2-4, 2-4, 6-0. C'est encore possible. Donc même à deux wins. Ça l'était également côté Fnatic, quelque part, mais. C'est une honte. C'est terrible. Mais oui, nous ne sommes pas du bon côté des probabilités, c'est certain. Pourquoi ils draftent pas ce qu'ils les ont fait gagner toute l'année? Après, au-delà de la draft. Ah non! Non, mais juste. Oui, listen to me. Au-delà de la draft, il y a beaucoup de faits de jeu. Tu te fais dive par le Lucian Nami parce qu'il y a un coup de bulle qui tombe sur ton Draven. Oui. Non, mais mécaniquement, c'était vide. À deux doigts de sortir la ceinture. Hein. La draft, elle est forte, mais pas pour une équipe comme G2. En termes de game, même en termes de macro, EG a mieux joué. Enfin, EG a déchiré G2 sur tous les aspects de League of Legends possible, sur cette game en particulier. Et c'est terrible. C'est le jeu, mesdames et messieurs, et parfois on est malheureusement du mauvais côté. Rien n'est encore joué, bien entendu, au sein de ce groupe. Mais on va renvoyer la parole, bien sûr, à notre cher bureau d'analyse. On a Seiken avec nous. Et Seiken, il va certainement nous apprendre de belles choses sur ce match. Chipsou, c'est à toi. Merci messieurs, et oui, nous sommes dépités, mais juste pour un temps du coup, parce que bonjour Seiken, bon retour parmi nous après ta présence sur la première semaine, ça va ? Bonsoir les gars, ça va super bien, enfin ça va moins bien maintenant, mais bon, que dire, c'était triste là, j'ai mal au cœur. On aurait aimé un autre résultat pour les G2, bien entendu. Alors la draft, Duke, pas mal de discussions au niveau de cette draft. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté, du côté des G2? Est-ce que ça t'a convaincu à la fin? Dans l'absolu, oui. C'est juste que moi, je suis pas du tout un flaket Draven believer. Et je l'étais pas avant la game, et je ne suis pas beaucoup plus maintenant. J'aimais bien le pick Horn en intro qui couvre Draven et Azir. Je n'étais pas convaincu non plus par les counter picks de Broken Blade, mais je pense qu'ils se sont un peu enfermés dans une draft où ils étaient un peu obligés de first pick Azir, ce qui est un peu un terrain que Jojo Pune était fine. J'aurais préféré qu'il y ait quelque chose un peu plus spicy pour la mid lane. Seiken, un early game, nous on en parlait en pré-show, un early game encore très difficile là où on sombre du côté des G2. Est-ce que ça aurait dû se passer comme ça, ce dive sur la bot lane? Est-ce qu'on doit se faire stacker une wave comme ça quand on joue Thresh Draven? Voilà, je pose des questions. Je pense que le dive était vraiment criminel, surtout qu'il me semble qu'il avait le flash. Draven, ouais. Flakhead avait le flash, donc se faire dive là-dessus, quand on joue Thresh Draven, Lee Sin, perdre la bot lane et d'être aussi loin derrière dans le game, contre un Karim qui a une free game, un Lucian Nami qui end sa lane, c'est juste injouable. Même après du coup le Azir pour un mois après sur la game, vu que toute la map est perdue,
il pourra m'après choisir la Akali, ça va être très dur pour lui. Même en side, après on voyait plus tard, Jopune peut faire ce qu'il voulait. Il avait mis de prio tout constamment, donc c'était un job. Il avait bien son flash. Alors la question c'est, est-ce que c'est vraiment... Je crois que Karim n'était pas vu au moment où la bulle part. Peut-être, mais... Même tu l'as. S'il y a des mecs qui s'avancent sous ta tour en 2v2, enfin tu le flashes, il y a quand même un petit peu. Ça devrait leur mettre la puce à l'oreille. Mais de toute façon, en fait, ils se retrouvent dans cette situation alors qu'il y a 2 secondes, ils avaient un gros freeze. Est-ce que c'est de leur faute ou c'est aussi de la faute de Jankos qui a préféré farm plutôt que de camp sur le freeze et d'essayer de fight alors qu'ils ont Draven Thresh? Ça se discute. Bonne question. Le match-up mid, on en a vu pas mal des Azir Akali récemment. Seiken, t'as pensé quoi de la situation? On a quand même un Jopune qui a très bien collé au farm. C'est ça, je pense qu'il a bien tenu. Après, de toute façon, la game était vraiment perdue dès la minute 5 sur les autres lanes. Donc, je pense que les deux millénaires n'ont pas vraiment impacté la game. Après, Caps, je pense qu'ils ont essayé de jouer inside autour de lui. Ça s'est pas bien passé vu qu'il y a le Shen ult qui est toujours présent. Je pense qu'il n'y avait vraiment aucune solution en mid-game. Et c'est ça que c'était vraiment triste à regarder quand on voit les phases de mid-game. Ils ont essayé cette phase-là à rester au top, peut-être essayer de trouver un pic ou quoi, mais il y a juste trop de retard au niveau de la composition. C'est un job, c'est vraiment un job pour eux. Ouais, DG qui nous ont surpris tout de même avec ce pick Shen, notamment Duke. C'est pas vraiment un champion qu'on a l'habitude de voir, mais c'est vrai qu'une fois que des champions comme, une fois qu'un champion comme Ekarim par exemple est bien dans sa game, En fait Shen tu le vois jamais dans les méta récentes, tu le vois jamais sauf quand Ekarim est méta. Et ceux qui avaient vraiment utilisé le Shen Ekarim à fond, c'était Schalke pendant le Miracle Run d'il y a 3 ans, et ils avaient joué ça à mort alors que personne le jouait, et ils avaient gagné plein de games comme ça. Et si ça passe devant, c'est inarrêtable, parce que du coup si le Ekarim passe devant, c'est inarrêtable parce qu'après il te fonce dessus, il est intuable, et t'as un double CC sur l'ultimate, donc c'est vraiment très très fort. Par contre normalement c'est un petit peu attaquable en early game, hein. C'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, le 3v3 bot, je pense qu'avec un Lee Sin ils doivent gagner contre un Ekarim. Ça n'a pas été fait, et derrière ça déroule vraiment violent, parce qu'avec Ekarim Shen tu peux engage un peu comme tu veux, tu peux forcer des plays, c'est tanky, ça fait du dégât, enfin ça fait tout quoi. Forcément la situation est alarmante pour les G2. On garde des chances de se qualifier pour les quarts de finale, mais tout devient beaucoup plus difficile. Là, il va falloir un petit miracle. Il va notamment falloir des victoires contre G2 et JDG. On en pense quoi, Seiken? Va falloir un exploit. Je pense que c'est assez terrifiant pour le coup. Damwon, moi, je pense qu'ils sont vraiment terrifiants dans le groupe. Après, je crois qu'à mon G2, ça va changer vraiment leur draft. Je pense que là, après, ils ont dû tous réaliser que jouer Thresh, Draven, etc., ça ne marchait pas. Donc, je pense qu'ils vont essayer de tout changer. Peut-être qu'il y aura un déclic et... Peut-être, le Miracle Run, peut-être. Ils ont parlé au cast d'ailleurs, c'est vrai qu'il y avait Senna par exemple, la fameuse Senna qui était open et qui jusque-là avait toujours été ban par G2 depuis leur super game en playoff. Est-ce que ça aurait été une meilleure option? Surtout qu'ils avaient un très bon winrate en LEC avec Senna, ouais. Et Tepin, ouais. Du coup. Je pense qu'ils ont plus que ça même, en d'autres portes de sortie j'imagine. Surtout, je pense qu'ils avaient bien réussi à jouer du 3v3 mid autour de Caps, il me semble. Ouais. Donc je pense que c'est une autre porte de sortie peut-être. Mais de toute façon, je pense que je suis confiant qu'ils vont changer quelque chose. J'ai trust Targa. Le problème de Senna Séraphine, c'est parfois ça peut se faire exploiter un petit peu. Mais pourquoi pas sinon juste Séraphine Leona, par exemple, un truc un peu safe qui va buff le reste de la team. Ou encore une fois, Varus Tamken, c'est vraiment l'opposé de ce qu'ils ont joué là. Mais pour moi, c'est vraiment un truc au moins tu devrais vraiment pas te poser de questions sur la phase de lane. Ce sera forcément utile après. Ça permet de jouer un mid-game un petit peu tranquille avec plein d'outils. Et Séraphine, ça peut permettre de enable caps. Donc. Ouais, peut-être des changements à venir, donc, mais ce sera face aux Damwon pour les G2 dans 2 games. La suivante, mesdames et messieurs, c'est les EG qui restent en scène face au JDG. C'est juste après la pause sur OTP LOL. A tout de suite. Voici le récit d'un jeune chasseur et de son plus grand combat. Ensemble, le chasseur et son archer bien-aimé défendaient leur foyer contre les monstres qui l'attaquaient. Sentofo en main, son compagnon à ses côtés, le chasseur se sentait invincible. Pourtant, souvent, l'archer trouvait que la raison du chasseur succombait devant son ardeur désordonnée. En effet, le jeune chasseur ignorait que le plus dangereux des monstres est l'orgueil. Alors l'archer le quitta pour d'autres aventures, laissant derrière lui un dernier présent. Enfin, le chasseur comprit que l'archer était dans le vrai
que l'arrogance était un monstre. Fierté avait séparé les deux amants, mais c'est ensemble qu'ils finirent cette traque. C'est ainsi que le jeune chasseur abattit le monstre qu'il habitait.